Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pas de avec une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour terminer, enfin pour faire la troisième partie de ce défi plutôt. Alors pour ceci, on va prendre mon deck tout simplement, parce que mon deck je pense que c'est le plus optimisé pour faire le triplex hier. Donc cette fois on ne perd pas plus de temps, où la vidéo commence les gars, on s'abonne, on met le pouce bleu, on partage la chaîne et on rejoint le Discord en description les gars. Et voilà, mon triplex hier les gars, c'est pas très skill, j'ai pas vos mythos. Bon, même qu'à first play. Forcément, apparemment ça me met bien. Ok, mais les flèches, très bien. Une sorcière, pourquoi pas. On va pouvoir P4 simplement. Là, maintenant, il faut le fantôme qui connecte pour pouvoir. Comment ça s'appelle ? Sorcier électrique. Si j'attends, si je me fais en attente, c'est parce qu'il y a la sorcière et du coup, je mets de la Valkyrie derrière. On va directement les cimetières, hein, contre push, vous connaissez les gars. Hop, voilà, le petit sorcier pour la défense, ce D2 qu'on a vu, hein. On l'a vu le D2, tac, ici on peut aller directement. Oula, on va pas l'éternuer du tout, c'est vraiment le pire idée possible. Ok, on va remettre un P4 tout simplement ici. Là on prépare la Valkyrie pour le fantôme qui est assez relou. Là on met évidemment un sorcier électrique et là on peut les mettre directement une petite Valkyrie. Je pense que j'aimerais qu'il boule de feu là, en fait. Et là de toute façon je peux mettre une masterclass de boule de feu, voilà, et une masterclass de tornade. Ouais, tornade sorcier, il n'y a plus de tour. Enfin, il n'y a plus de push, je veux dire. Ok, il préfère spam, on va mettre notre PK. Ça permet qu'il mette un MK vers ici, bon au milieu du fond, ça me va très bien. Ça nous permet d'aller contre push. Hein. Je pense qu'il s'attend pas, je pars tour du roi, donc on va directement partir tour du roi bien évidemment. Ici je vais me permettre d'aller tornade 7 tout ceci. Hein. On va les mettre un zap en plus pour que. Voilà, nickel, la sorcière meurt, c'était totalement le but. Là on peut aller tout simplement gel, c'était le pire gel possible, hein, clairement. Ok, là il met un deuxième D2, un deuxième dragon d'électrique, très bien, c'est pas très grave, on va mettre juste un sorcier pour les défendre tout ça. On va aller mettre une tornade en plus pour aller accompagner ce sorcier. Ok, c'est pas grave, on va mettre une petite Valkyrie. Ok, on va les zapper tout ça, comme ça ça peut continuer à tuer le fantôme. Ok, on met un câble, on a notre PK, nous, ça va. Il y a un truc compliqué, on va directement aller mettre le D2, le sorcier électrique ici. On va aller mettre un sorcier pour aller tuer ce dragon qui nous saoule, hein, vraiment. Il casse les couilles. On va repartir tour du roi. Hein. Moi je vous le dis, on va repartir tour du roi, on n'a pas le temps. Là même si fantôme, on va tout simplement les gel sous fantôme et sous MK aussi au passage. Et je pense que c'est une victoire. Si je mets pas ses flèches tout de suite maintenant, ok, mais ses flèches. On va devoir attendre un cimetière de plus. Le monsieur qui casse les couilles. On a toujours besoin d'en avoir 9. Hein. Même si je peux balancer un cimetière comme ça, on va juste attendre quand même de jouer un peu correctement. Toujours mieux, et là on peut aller gel, et là on va aller prendre cette victoire, donc là ça fait plaisir. Là on va aller exploser. Ok, nickel, première victoire, 3000 pièces, on a un petit palier à ouvrir. Ok, le palier, bon on s'en fout, hein. On a question de notre fond max, on va ouvrir le petit coffre. Allez, j'attends juste cette envie de pour l'ouvrir, est-ce qu'on aura une légendaire? Oui, on a une légendaire, alors ça c'est plutôt cool. Ce qui m'intéresse c'est du fantôme pour aller simplement le max. Est-ce que on a du fantôme? Ah bah voilà, nickel, ça fait plaisir. D'ailleurs les gars, s'il y en a un qui a du fantôme, n'hésitez pas à me dire, il y a mon Insta là qui est en bas. Rejoignez-moi dessus et envoyez un MP parce que j'ai. Faudrait que je le max. J'aime bien le max, donc vas-y, il en manque plus que 6. Donc s'il y a un mec qui a. Enfin même s'il a qu'un fantôme, ça me va. Hein. Une fois si fantôme, moi j'ai 6 jetons, je passe de tout. Voilà. Ok, très bien, on part sur cette deuxième game. Ok, alors là, vraiment une main de départ sacrément éclatée. Donc là, on va juste cycler, parce qu'on est ici en x4. x3, hein. On peut se permettre. Très bien, nickel. Il met un petit PK, on va lui mettre un PK aussi. Très bien, donc PK, ça peut être quoi? Du PK plus spam. Ce sera un PK sorcier, très très bien. Ok, bourreau aussi, on va directement les cimetières. Ici, on peut aller tornade gel. Je vais attendre un petit peu dans tornade gel. Alors, on va aller tornade gel, hein. On ne prend pas de risque. Hop, voilà, nickel. On prend vraiment pas de risque. J'ai vraiment pas envie de perdre ce défi, parce que j'ai pas envie. J'ai un peu la flemme de recommencer 20 fois le défi, donc. Même si on a pas, ça peut recommencer. Mais je préfère le faire en vidéo et tranquille, sans perdre, etc. Ok, très bien. Il met un ballon. Pourquoi pas. On va aller tout simplement zap ça pour le mettre, pouvoir avoir le temps d'avoir de mettre une tornade. Il va parfaitement défendre ce ballon, hein.
De toute évidence, là on peut directement mettre une pression avec un cimetière. De l'autre côté, le joueur en face qui est sous pression. Hein. On va les gèle tout ça, bien évidemment. On va aller mettre une petite tornade pour tuer ce sorcier et cette sorcière. Voilà, nickel, parfait. La Valkyrie qui aura quasiment pris la tour. On peut directement aller PK tout ceci. Il joue du PK squelette géant, c'est original, j'avoue. Bien, nickel, on met l'électro-sorcier. Vous savez qu'il devrait gérer hein, parfaitement ce ballon. On va juste mettre un zap au cas où. On va prendre deux coups, on va avoir zéro risque. Là, on peut directement cimetière ce côté. Là, on met bien la pression, ça c'est plutôt cool. Ok, là, on va les gel cette sorcière. Là, on va faire retourner à Valkyrie derrière pour que le cimetière puisse prendre cette tour. Là, ok, je vais aller simplement sorcier. Ouais, je vais sorcier zap gel. Sorcier zap gel, voilà, nickel. On va prendre deux coups. Soit là, on a la Valkyrie pour défendre. On va jouer directement sorcier électrique parce que la Valkyrie va se faire défoncer sinon. Voilà, nickel. Cette défense qui est plutôt clean. Là, regardez, je vais vous montrer comment on joue, comme ça, voilà. Voilà. En plus, ça me permet de prendre une tour, donc c'est plutôt plutôt propre. Ok, il va rien rajouter de ce côté, on peut mettre un PK de ce côté. S'il met un PK, on peut bien évidemment gel. Si c'est un débile, on gèle aussi. On va jouer directement en sorcier électrique. On va attendre sur le PK pour que la sorcière meure directement. On va essayer d'aller chercher ce 3 couronnes. Pour cette deuxième game du défi, les gars, un petit peu, et on va tout simplement gel là. Ok, il a mis un très bon bourreau. Ok, on va permettre de jouer un sorcier électrique, puis un sorcier. On va pas. Allez, on lui laisse une tour. Ou pas. Non, on laisse pas de tour, hein. Pas gentiment. Non, genre, même si je le voulais, j'aurais pas pu. Donc, bon, bref, en tout cas, on aurait plutôt 3 couronnes. Tant pis, c'est pas grave, on aura 2 couronnes. C'est totalement my bad. C'est pas grave, normalement c'est pas grave. En tous les cas, voilà. Ah, mais c'est pas la troisième game, c'est la deuxième game, je suis un bouffon. Ok, bon. Hop. Voilà. Nickel. Ok, donc là on va directement partir avec 15 là. Ok, très bien. Sorcier glace, on va partir en sorcier fond de map tranquillement. Ouais. Ouais, sorcier. Ok, on va pouvoir mettre un PK dans tout ici. J'espère que ce n'est pas dû à la banne, sinon c'est la sauce. Je vais aller gel. Oh, what? Mais ouais, je sais quoi les dés que je me tape, sérieux, c'est trop. La Valkyrie qui normalement gère, si je dis pas de la merde. Ouh, what? Il a complètement déraillé le monsieur là. Ah ouais, il a complètement déraillé. Hein. MPK, MK Zapi là. Ah ouais, il a complètement déraillé. Hein. Il est fou. Hein. Il est vraiment fou. Directement les sorciers tout ça. Oh mais qui est... Oh là là, il est totalement fou. Je vous jure les gars, il est fou ce mec. Et là il va se prendre un double push. Moi je vous le dis les gars, il va faire mal. Non mais je l'ai vécu là. Moi j'ai double push. Quand je dis double push, c'est double push. Hein. Alors attendez. Là il y a un petit souci là. On va aller mettre double sorcier pour aller détruire ce PK qu'on va directement tornade. Voilà, nickel. Bon, c'est un peu un débile parce que bon, voilà mais. Et là on peut PK Omi tout simplement pour prendre le focus et que mes sorciers puissent taper sur la tour. Moi bon, double sorcier, d'accord, hein. Moi je vous dis ça fait mal. Hein. Ok, je vais aller aider mon sorcier à détruire ce sorcier glace. Ok, bon il est un peu con mais ça c'est rien, c'est la pathologie, d'avoir moins 4 de QI. Ne vous inquiétez pas, je crois que ça se soigne, il me semble, hein. Si je dis pas de la merde ça se soigne. Hein. Ouais, il a perdu là, il a clairement perdu. Ok, double esprit. Ah oui, il a pas encore perdu. Bon, il va perdre, c'est pas très grave. Hein. Ça retarde de quelques. On va les zap ça, en tous les cas, pour pas. Voilà. Et là, on peut directement les mettre en gel. Et c'est une victoire. Voilà, on a failli troll un petit peu, mais c'est pas très grave si on troll. Hein. Bon, pas très très grave quoi. Alors attendez. 10 secondes, je vais vite faire un petit truc. Ok, très bien, on peut directement aller prendre ces jetons qui ne servent à rien, mais qui sont là, ça c'est cool. Ok, dans le shop, on prend ça. Alors, dans le shop, les gars, pour tous les joueurs qui sont pas max, je vous conseille d'acheter toujours les communes. Les communes, c'est le plus rentable.
Dès que vous avez toutes les coins de max, bah, vous les achetez quand même, ça vous donne de l'or, ça en fait ça vous fait perdre la moitié de l'or que vous achetez. En gros, vous achetez une carte à 8, enfin, vous achetez genre 10 cartes à 800, bah, vous allez perdre 400, mais vous allez gagner des pièces étoilées, mais ça c'est que si vous êtes max, sinon vous les achetez pas, ça sert à rien. Et, ah oui, c'est vrai qu'on est sur x4, j'ai on est sur x4, non x3, j'étais en mode, mais il est fou. Perche plus, mais qui met ça, c'est genre. Bon, je me permets de prendre un coup, hein, parce que je me manque pas les coups, parce que je vais fumer. D'ailleurs les gars, on est sur la dernière game de défi, hein. J'avais oublié. Oula, on a bien joué là. Ok, on va l'éternel tout ça sur... Voilà, nickel, ça va aller, le PK qui va aller détruire tranquillement. Mettre un sorcier en renfort pour aider ce sorcier électrique à dépop ce ballon. La Valkyrie qui va aller faire son taf. Hein. Là, on met le cimetière pour mettre une pression. On va les gel, ça. On va les zap, ceci. Je pense que c'est la tour qui tombe. Ah, il a un zap, ok, très très bien. Ok, voilà, bah, il masse des gars, c'est bon, c'est parfait. J'espère qu'il prend de l'autre côté, si de l'autre côté peut-être pas. Bah non, pas de l'autre côté, ah il est bien, d'accord, ce mec en a rien à foutre, genre, très bien, bah, écoutez. Moi je dis pas non, hein. Moi ça m'arrange, qu'il prend de ce côté, ça me permet de faire un contre-push qui est pas dégueulasse. Hein. Là on peut directement aller gel 7 mousquetaires et ses bats. Voilà, nickel, là on va aller prendre 7 tours. On peut sortir son map puisqu'on a le sorcier électrique pour aller défendre le ballon s'il nous le met de l'autre côté. Voilà, les PK, il a l'air de vouloir forcer cette tour, donc on va rester sur cette tour. Est-ce qu'il va tenter un truc? Il en a rien à foutre, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour nos conneries, hein. Moi je vous dis, ce mec n'a pas le temps pour nos conneries. Je vais aller zapper tout ça pour aller cycler un autre sorcier. Et cycler un deuxième PK. Voilà, nickel, là on se met très très bien. Je vais aller tendre à ça, voilà, nickel, très bien, voilà, je pense que c'est la fin pour monsieur. Hein. Là, je vois vraiment mal comment il peut gagner cette game. Sachant que là, il a fait de la merde, parce que mon sorcier est en train de focus son sorcier sur ses glaces. Là, c'est pareil, hein, là, juste à remettre un sorcier pour protéger mes sorciers. Et voilà, simplement 3 couronnes. Et voilà, les deux premiers épisodes, c'est choke. Quand je prends un vrai deck, d'un coup, je choke plus. Hein. Voilà, mais simplement, c'est tout. On va aller s'ouvrir ce petit coffre épique qui me sert évidemment à rien, à part me donner des pièces et des pièces étoilées. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Je vous en Discord en description et c'était vrai coup, ciao.